dans un pays où plus de 85% de la population sont quand même vivent en dessous du seuil de pauvreté, faire en sorte à ce que le pays, au bout des 5 ans, que tout le monde ressente qu'il y a eu un changement. Et ce changement, nous comptons le faire surtout dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation. En ce qui concerne la démocratie également, la démocratie a été restaurée, nous avons consolidé cette restauration. Je crois que vous demanderez à n'importe quel Nigérien, il vous dira que ce que le président Tanja a fait pour ce pays en termes d'investissement, qui répond réellement aux préoccupations des Nigériens, je crois que personne d'autre ne l'a fait avant lui. Et sur ce plan, on peut dire que je suis un héritier effectivement du président Tanja parce que ce qu'il a fait de bon pour le Niger, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons le consolider et l'améliorer.